monde, j'espère que vous allez bien. C'est Elodie. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous présenter une box lingerie que j'ai découverte. Ça s'appelle Sorpresa et qui est de Paris. Voilà. Donc, c'est une box que j'ai découverte sur YouTube il y a 2-3 vidéos. Je me suis dit pourquoi pas, autant tenter. Le tarif est vraiment attractif et c'est intéressant. Donc vous avez sur le site deux formules, hein, soit vous prenez que le bas, c'est-à-dire le boxer ou string, soit vous prenez un ensemble. Moi j'ai choisi cette formule-là, vous créez votre compte, vous inscrivez votre taille, puis le style, si vous voulez que des strings, que des boxers ou les deux. Moi personnellement j'ai mis les deux, enfin voilà, ça me dérangeait pas de mettre les deux simplement. Ensuite vous payez par PayPal, donc il n'y a pas d'enregistrement de carte bancaire, donc si vous prenez un abonnement au mois, bah, tous les mois il faudra retourner sur le site et puis vous recommandez votre box. Après sinon vous avez des abonnements 3, 6 et 12 mois, sachant que pour juste le bas on a juste pour le bas. Le mois il est à 14,90€ et l'ensemble est à 24,90€. Donc voilà, je l'ai reçu en colissimo, comme ça, là, une petite boîte sympa. À l'intérieur, on avait emballé dans du papier de soie. Je sais pas si vous voyez bien. Donc avec un petit cœur qui est tout mignon, enfin moi personnellement j'adore. On avait deux petites cartes, une carte pour dire merci, tout simplement, et une carte où il y avait écrit quoi ? Une surprise tous les mois. C'est vrai qu'il faut aimer être surprise. Et il y avait un petit échantillon, c'est un baume pour la nuit de Delcléor. Un petit cadeau en plus, c'était bien sympa. Bien gentil. Alors, du coup, je vous présente les produits. Pardon pour le bruit, c'est papier de soie. Donc ça se présente comme ceci, donc dans un petit pochon. Tout rose, tout girly, quoi. Donc, à l'intérieur, on avait donc l'ensemble. Donc, hop là, on avait donc le soutien-gorge. Comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir. Donc il est bleu et noir avec donc un joli détail de dentelle, je trouve, sur le bas, un petit nœud très classique sur le dessus, et là vous avez donc une dentelle assez sympa sur le dessus, et donc les agrafes classiques. Il y en a combien? Il y en a trois réglages possibles. Moi personnellement, pour la taille, j'ai eu aucun problème, ça a été très bien respecté. Donc voilà pour le soutif, et moi j'ai reçu un boxer ce mois-ci. Comment dire, je vous présente. Donc quand je l'ai vu tout de suite, là il m'a pas emballé du tout, quoi. Je me suis dit, ça fait un peu grand-mère quand même. Alors, je sais pas, ça doit être le côté des fronts sur le dessus. Donc là on a donc la dentelle qui est un peu transparente. Le petit nœud, et puis on retrouve donc le bleu sur tout le contour. C'est une matière synthétique, quoi. Donc voilà, moi les vêtements, les sous-vêtements plutôt, je les ai déjà portés, je les ai lavés, et honnêtement, niveau qualité, c'est plutôt pas mal, ça tient bien. En tout cas, au lavage, ça a bien tenu. Ce qui est plutôt pas mal, parce que pour cette gamme de prix, on peut avoir différents magasins comme Indies, ou je sais pas moi, Jennifer et Tam, enfin bref, des magasins qui proposent de la lingerie. Et qui ont une qualité qui est pas top, quoi, quand même. Là pour le coup, bah, au premier lavage, j'ai pas eu de décoloration, j'ai pas eu de... Voilà, la dentelle, elle est pas partie en vrille. Donc du coup, je suis plutôt contente de cette box pour ce mois-ci. Je me suis réabonnée pour le mois prochain, donc je pense que je ferai une autre vidéo, parce que je pense qu'on ne peut pas... je pense qu'on peut pas donner un avis tout de suite sur un mois comme ça, sur une box. Il suffit que le modèle il plaît pas, on va pas dire la box elle est nulle, c'est pas possible. Les goûts, les couleurs, c'est différent. Après, quand on va sur ce type de box, on sait pas ce qui va nous attendre. C'est pas comme les produits de beauté qu'on peut troquer ou autre.
Là, il faut aimer les surprises. Moi, j'adore ça. Enfin, voilà, j'aime beaucoup cette idée-là. Donc, j'espère que je vous aurai un peu éclairé là-dessus. Ah si, attends, j'ai oublié de vous dire une petite précision qui a quand même son importance, étant donné que donc il n'y a pas de pour les abonnements au mois, quand vous allez vous inscrire sur le site, si vous vous abonnez après le 21 du mois, vous recevrez votre box. Pas le mois tout de suite après, mais le mois encore après. Par exemple, le 21 mars, vous commandez votre box, vous l'aurez que début mai. Avant le 20, par contre, là, il n'y a aucun souci. Vous allez recevoir votre box entre le 1er et le 8 du mois suivant. Moi, personnellement, je l'ai commandé bah, le 20 et je l'ai reçu le 2 ou le 3. Donc, bah, c'est la première box que je rencontre qui permet de... Enfin, qui respecte les délais, quoi, tout simplement, hein, contrairement à certaines box. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire, à me donner votre avis, tout simplement, que ce soit positif ou négatif, étant donné que c'est ma première vidéo sur YouTube. Je vous en remercie d'avance, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.